J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire un petit truc comme ça les gars, rapide. Allez hop. Donc d'abord on prend le marqueur. Allez hop, on prend le marqueur. On trace un trait à l'arrache. Comme ça. Comme ça, comme ça. Donc vous faites un trait dégueulasse. Après vous prenez une scie qui coupe du fer et vous faites. Ouh. Allez, je fais une petite ellipse le temps que je coupe. Ok, donc j'ai ça maintenant. Donc ça va être super. Hop. Donc du coup après vous allez faire un truc. Vous allez, vous voyez, avec ça, vous allez, avec le marqueur, vous allez faire genre un petit trait comme ça. Voilà, allez, je coupe. Donc voilà, du coup, je l'ai coupé. Voilà, après, vous allez le couper comme ça. Vous allez le mettre genre comme ça, les gars. Ok. Je commence et je termine. Donc voilà les gars, c'est très très dur, ça casse le dos. J'ai cassé le bois. Oh non, j'ai cassé le bois. Mais shit. C'est pas grave, ça va faire un peu petit truc. On s'en fout. Donc je vais prendre un plus petit clou. Donc ça, pour se casser les mains, c'est super, juste pour vous dire. C'est juste une petite information. Ok, donc je peux mettre enfin le truc. Donc je vais faire une petite ellipse. Oh, donc c'était pour vous dire que j'ai utilisé ceci, c'est ni clou ni vis. Qui sert à faire ça, donc je vous le conseille. On va voir, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais avant de se quitter, regardez ce que je vais faire. Je vais installer ce truc ici. Donc là, cette fois, je vais prendre un clou et un vrai.
Ok, ça me saoule. Oula, la qualité, elle est super mauvaise. Désolé, il n'y a plus beaucoup de batterie. Il n'y a plus beaucoup de batterie, désolé. Ou sinon, vous savez quoi, ni clou ni vis, ça marche aussi pour cette short. Voilà, on va mettre ni clou ni vis. Donc ça s'achète vers le, sur le roi Merlin. Donc on va mettre un petit point ici. Voilà. Et je vais fixer ça sur le clavier. Et voilà le travail. Donc voici, ça rend ceci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ça voudrait dire que je pourrais mettre ça comme ça. Bah voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine les gars. Allez, ciao.